nager, le club a déménagé il n'y a pas longtemps. Et donc avant, je sais pas, je crois que c'était avant, quelque chose de ta jambe. Voilà. Et mon grand-père, pendant toute ma famille, a dit ok. Et moi, enfin voilà, je sais pas. C'est cool, hein, mais c'est pas trop mon truc. Et voilà. Tu penses que c'est pas un sport pour les filles, c'est ça? Non, ça va pas du tout. Franchement, l'équipe forte de filles, elles sont vraiment très fortes, mais. Non, c'est que je suis pas très forte là-dedans. Et c'est quoi ta passion? Moi j'aime bien le tennis. T'aimes bien le tennis? Et tu joues ici au tennis? Dommage, hein, parce qu'autrement on aurait voulu te voir. Comment je dis? Et parle-moi un petit peu plus donc, de ce sport quand tu vois ton frère il est là, il est 100%, il est engagé de ce sport. Tu le vois comment dans ce sport? Moi, c'est pour passer le message aux jeunes qui peuvent s'intéresser à ce sport. Il est épanoui, je trouve qu'il s'amuse bien, enfin je crois qu'il s'amuse bien, voilà, enfin, moi j'ai la sensation de toi. C'est marrant. On te remercie quand même. Je suis donc voilà, vous voyez. Yep. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yves Coucobert et je suis adjoint au responsable sportif ici au Hockey Club Namur. Aujourd'hui, les compétitions, les matchs sont organisés à partir de 6 ans. Donc à partir de 6 ans, les enfants peuvent jouer. Maintenant, si je peux donner un conseil à vos auditeurs qui seraient intéressés, le mieux, c'est de me rendre visite. Et si l'enfant est intéressé, il peut participer à des stages que nous organisons régulièrement dans l'année, au moment des congés scolaires. Ça peut être à Pâques, c'est parfois à la Toussaint, c'est surtout à Pâques et pendant les grandes vacances. Et là, l'enfant peut essayer le hockey, s'inscrire au stage pendant une semaine, et s'essayer au hockey, après, si ça lui plaît, il peut se faire membre du club et il est pris en charge par mon entraîneur. En tout cas, c'est chouette parce qu'en fait, on a la présence des enfants, et il n'y a pas que les enfants, toute la famille. Donc des participations des parents et en même temps des enfants. Et on aimerait bien savoir une chose, est-ce que vous faites des tournois? Alors nous faisons des tournois, oui. D'abord nous faisons des tournois à l'extérieur avec nos équipes, nous sommes invités. Et nous organisons aussi des tournois, mais c'est des tournois pour les jeunes. Nous faisons un tournoi classiquement à la fin du mois de juin, après les examens, où nous invitons des équipes de tout le pays, parfois même des équipes étrangères. Et nous organisons aussi un tournoi en salle, parce qu'il faut savoir que pendant l'hiver, il y a une interruption à l'extérieur, et le hockey se pratique en salle, pas ici alors. Et nous organisons un tournoi en salle du côté du...